Hey yo les gens, c'est Nicky Larsen, FR Manga, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, je vais nickel, on se retrouve vers une nouvelle vidéo. Donc ça n'a pas été une vidéo comme les autres. De toute façon, vous l'avez vu, le titre de cette vidéo. Donc ça va être tout simplement merci. Donc avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, de t'abonner et de partager. Si vous faites ces trois choses-là, de toute façon vous connaissez la chanson, vous êtes les boss. Et puis c'est parti pour la vidéo. Donc les amis, je vais vous dire de A jusqu'à Z. Je vais vous dire étape par étape parce que c'est important cette vidéo. Donc regardez jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc les amis, je vais vous dire une petite histoire, Père Castor un petit peu. Je vais pas tout vous dire, bien sûr, sinon la vidéo elle va être trop longue, donc je vais faire en abrégé. Si vous voulez, il y a 3 jours que j'ai posté la vidéo City Hunter Rebreed, donc tome 1, donc FR. Donc j'ai eu des commentaires positifs, des pouces bleus positifs. J'étais quand même assez content, c'était vraiment ma toute première vidéo par rapport, que je fais des vidéos par rapport au manga, donc les livres. Ça a plutôt plu vers vous. Et plus voilà. Mais après deux jours plus tard que j'ai posté la vidéo City Hunter Rebreed tome 1 FR, en fait j'ai réfléchi. Pourquoi j'ai réfléchi? Parce que il y a beaucoup, sur ma chaîne, vous n'êtes pas habitué à regarder, à regarder des vidéos de moi, mais par rapport des mangas, vous voyez, en livre. Je ne pense pas, il y a beaucoup de personnes qui sont pas habituées à lire ou à regarder des mangas, en livre. Et on va dire, grosso modo, j'ai dit, ça peut être bien si je fais autre chose. Parce que oui, ça fonctionne vers la vidéo City Hunter Rebreed, tome 1. C'est vrai, elle a fonctionné. Mais moi, je me dis, pourquoi pas à faire autre chose, mais plus poussé, pour comme ça il y a du nouveauté, pour comme ça il y a du peps sur ma chaîne, pour comme ça il y a vraiment du monde, et pour comme ça c'est là, c'est le bon, on va dire, c'est le gâteau sur la cerise, la cerise sur le gâteau, pardon. Donc j'ai réfléchi et j'ai dit, tiens, je vais poster un petit tweet par rapport à ma chaîne YouTube pour vous dire, est-ce que vous voulez que je fasse plusieurs animes et mangas, mais sur ma chaîne principale, Nicky Larsen FR Manga. Et j'ai eu des commentaires, des votes assez écrasantes. Et aussi, j'étais aussi bluffé. Voilà, donc le petit tweet était... c'était salut tout le monde, c'est Nicky Larsen FR Manga. J'espère que vous allez bien. Moi écoutez, je vais nickel. C'est une petite question. Est-ce que voulez-vous que je fasse plusieurs animes et mangas sur la chaîne? Bien sûr, toujours avec City Hunter. Et là, on voit vers les votes. C'est vraiment écrasante. Je vous remercie. 55 votes, je vous remercie. Donc oui, vers 89%. Et non vers 11% et 7 pouces bleus. Donc voilà, je vous remercie au fond du cœur. Voilà. Donc voilà, je vais vous dire pourquoi. Grosso modo, je vous ai posé la question. Pourquoi je suis orienté pour poster plusieurs animes, plusieurs mangas. Tout simplement, je vous ai dit. Pourquoi je vais poster plusieurs animes et mangas, c'est pour avoir plusieurs de contenus, changer de contenu et aussi avoir du peps sur la chaîne. Je vous ai dit, voilà, vous allez dire, ouais mais Nicky Larsen FR Manga, tu nous as dit que ça va être que une chaîne de Nicky Larsen. Je sais, vraiment, je le sais, mais je vois que je vais pas laisser la chaîne comme ça, parce que vraiment, je vais vous dire la vérité, ça, entre vous et moi, entre abonnés, entre guillemets, mini youtubeurs, vous voyez que 1 mois, 2 mois, 4 mois, 8 mois, voilà, 11 mois déjà que j'ai posté les films, ça passe vraiment super vite, voilà,
Donc vous voyez que je suis un petit peu inactif. Pourquoi? Parce que j'ai plus d'idées. Après vous allez dire, essaye de reposter le film Nicky Larson, le nouveau film. Je ne peux pas. Oui, je ne peux pas, que des droits d'auteur, on va dire, entre guillemets, je suis bloqué, je suis coincé, je suis dans un impasse assez délicate, et on va dire, je peux pas continuer comme ça. C'est même posséder des endings, là, les trucs comme ça, tous les trucs que vous voyez, c'est... Je me fais flinguer par YouTube. Sauf celle-là, mis à part celle-là, parce que c'est un contenu vers moi, il n'y a rien, tout et tout, donc je peux. Mais à part ça, tout ça que vous voyez, tout ça, je me fais flinguer par YouTube. Et c'est triste à dire, hein, c'est triste. Hein. Mais c'est comme ça. Parce que c'est, je vous redis encore, vers mes précédentes vidéos et vers mes précédents lives, c'est pas un contenu à moi. Donc voilà. Donc bref, on va pas revenir vers ce sujet-là. J'ai fait des vidéos, des tonnes de vidéos et des lives par rapport pourquoi je peux plus reposter les épisodes, parce qu'il y a certaines personnes qui se plaignaient par rapport à les épisodes tout et tout, reposter, voilà. Mais enfin bref, de toute façon, j'ai reparlé de ça, je vais pas tout vous expliquer. Enfin bref, voilà. Donc on va dire maintenant, c'est décidé. Sur la chaîne YouTube, d'ici 2 jours, il va avoir des nouveaux animes, des nouveaux mangas que je vais vous proposer. Bien sûr, vous allez dire, ouais, mais ça va être quoi comme plusieurs animes, mangas, tu vas poster les épisodes, tu vas faire quoi? Exactement, non. Exactement, il va avoir des genres de petits commentaires pour vous dire l'anime oublié maintenant. Voilà, l'anime le plus détesté, l'anime surcoté, voilà, des choses comme ça, et même à faire des vidéos comme style City Hunter Hybrid. Je vais faire comme des styles comme ça, des mangas, donc par exemple Dragon Ball, ça peut être vraiment du One Piece, par exemple, un exemple, One Piece, voilà, One Piece, Wano, donc tome 56, FR, ça peut être cool, voilà, ça peut être cool de m'orienter vers autre chose. Ça peut être sympa. Dites-moi en commentaire. Bien sûr, il va pas avoir. Je sais, il va y avoir certaines personnes. Ils vont dire, parce que je sais, il y a beaucoup de personnes. On va pas dire, âgées, mais on compare. J'ai une communauté, on va dire, j'ai des abonnés quand même assez âgés. On compare vers des autres. J'ai un genre de tableau que je peux voir entre combien, vous avez quel âge. Il y a entre 20 ans et 50 ans, un truc comme ça. J'ai une communauté quand même assez âgée. On compare vers des autres mini-youtubeurs ou des youtubeurs. Vous inquiétez pas, je vais poster des animes aussi des années 80-90. Vers Nick Larson, il y aura des commentaires du City, du Cat Side, voilà, il va avoir des animes un petit peu des années 90 vers Club Dorothée, il y aura du tout n'importe quoi, il va avoir des animes 80-90, 2010, nouvelle génération, bref, il va avoir de tout n'importe quoi vers les animes, il va avoir plein de commentaires, tout et tout, donc voilà. De toute façon, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Voilà. Donc, je vous remercie vers ce petit tweet dans la communauté. Vraiment, c'est vraiment écrasante. Je ne pensais pas que vous allez avoir beaucoup de positifs, beaucoup de pourcentages de oui que de non. Parce que j'ai fait une vidéo par rapport, j'ai recréé une nouvelle chaîne, Florix. Par rapport à aller vers plein d'animes et plein de mangas, est-ce que ça vous intéresse tout et tout? Vous êtes pas trop chaud que j'allais faire ça. Donc j'ai laissé de plan, c'est normal, voilà, j'ai laissé de plan. Et c'est normal que, on va dire, je reviens avec les animes et les mangas
pour vous proposer sur ma chaîne principale, parce que on est nombreux, voilà, on est bientôt 20 000 sur ma chaîne YouTube, c'est complètement énorme, je vous remercie au fond du cœur. Donc voilà, et là vous inquiétez pas si je fais plusieurs animes et mangas, vous inquiétez pas, je vais charbonner. Vous inquiétez pas, je vais charbonner tous les deux jours ou tous les 48 heures si vous voulez. Je vais poster une nouvelle vidéo par rapport anime et manga. Et vous inquiétez pas, je vais pas laisser de côté City Hunter. C'est la base de ma chaîne. Ça va commencer, ça va se terminer ma chaîne par rapport à du City Hunter. Ça c'est sûr, quasi sûr. Donc voilà. Par la suite, les amis, aussi, par rapport à la chaîne, je vais changer de nom, si vous voulez, je vais tirer FR Manga, je vais laisser que Nicky Larson, et si vous voulez, devant Nicky Larson, je vais mettre Steven, un tiré du bas, Nicky Larson. Pourquoi ça? Et c'est qui Steven? On va dire vers certaines personnes, ils connaissent c'est qui Steven. Bah bien sûr c'est moi. Hein, voilà, je m'appelle Steven. Mais il y a certaines personnes qui connaissent. Donc voilà. Mais pourquoi je mets Steven et Nicky Larson? Parce que on va dire Steven, grosso modo, ça veut dire en abrégé, ça veut dire que je vais poster les animes et les mangas, d'autres animés mangas. Et Nicky Larson, ça va être toujours du Nicky Larson. Voilà. Et vous allez dire, ouais, mais pourquoi tu laisses pas ton nom, Nicky Larson FR Manga? Je trouve c'est assez bizarre de laisser Nicky Larson FR Manga et que j'allais faire poster des autres animes et mangas. Donc je trouve ça va pas aller. Donc je vais mettre mon nom, Steven, tiré du bas, Nicky Larson. Pour comme ça, voilà, il y a un côté anime et manga. Donc voilà. Et un côté Nicky Larson. Donc voilà. Donc on va dire, c'est, vous voyez, c'est dans un sac. Et on met tout dans le même sac. Donc on met Nicky Larson, des autres animes et les autres mangas. Donc voilà. Tous les mangas, tous les animes et City Hunter compris. Donc voilà. Bah voilà, j'ai tout dit. Voilà, vraiment 13 minutes de vidéo. C'était quand même assez long de la vidéo. Voilà, ça me tenait à cœur. Voilà, tout vous dire. Voilà, par rapport, il y aura du nouveau contenu. Je vais changer de nom. Voilà, ça va bouger. Vraiment, ça va bouger la chaîne. On va dire vers certains ou certaines personnes, ça a pu reconnaître la chaîne. Mais vous inquiétez pas. Je reste toujours dans mon même jargon, tout et tout. Au cas où, les amis, quand il va aussi, quand je vais poster les autres animes et mangas, vous inquiétez pas, je suis pas une personne qui va faire la même chose comme les youtubeurs. Parce que je sais, il y a des youtubeurs animés et mangas qui sont soit rigolades, tu vois, ils rigolent, ils foutent de la gueule de cet animé ou ce manga, ou soit il y a certaines personnes qui font une grosse analyse de malade, ils disent, voilà la suite dans 10 mois, dans 12 mois. Moi je suis pas une personne qui va pas vous casser le popotin, on va dire. Moi je suis une personne je vais vous expliquer l'histoire de cet anime et ce manga. Mais après ça va aller, pas plus loin. Parce que je suis pas une personne qui va faire la même chose. Et je suis pas une personne qui va vous casser le beau patin, faire une poésie à vous dire. Il est écrit, cet anime est sorti le 5 février 2022. Et apparemment, en octobre, il y aura la saison 3, tout et tout. Non, moi je suis pas une personne comme ça. Moi j'ai envie d'être bref, j'ai envie d'être net. Et aussi, être précis aussi, parce que ça c'est important. Parce que je vais pas vous dire, par exemple, cet anime, il va sortir un tel. Mais vous allez dire, ouais, mais dis-nous minimum une date. Dis-nous minimum une date. Voilà. Donc, je vais vous proposer. Donc, voilà.
Donc vous inquiétez pas, il y aura du très très lourd, ça va être du... Vraiment, je pense, si je fais ça, et si je continue vers cette lancée, et si je me... Vraiment, je me donne de la niaque, tout et tout, je pense que je vais tout casser, mais vraiment, j'ai besoin de vous. Donc, vraiment, restez actifs, vous inquiétez pas. D'ici tous les deux jours, de toute façon, tous les deux jours, je vais poster une nouvelle vidéo. Vous inquiétez pas. Donc voilà. Bon bah voilà, j'espère que cette petite, bah pas cette petite vidéo, mais cette longue vidéo, ça vous a plu. Vraiment, excusez-moi, on a bientôt 16 minutes de vidéo, vraiment, je m'excuse. Mais ça me tenait à cœur, cette vidéo. Voilà, ça me tenait à cœur, tout vous dire là maintenant, et pas vous dire vers des autres vidéos, vous expliquer. Voilà, je préfère tout vous dire vers une seule vidéo, et comme ça on est tranquille pour la suite. Donc voilà, c'était Nicky Larson et Fermanga. Donc nous on va se retrouver dans deux jours. Et puis voilà. Donc je vous remercie au fond du cœur. Et voilà. C'était Nicky Larson et Fermanga. Allez, bye bye.